Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo pour l'apprentissage du développement web. Nous allons maintenant parler du CSS. Le CSS, c'est un fichier qui contient la description de l'apparence des éléments que vous avez écrits en HTML. C'est une sorte de langage qui s'exécute, enfin, qui est lu par le navigateur en fait, et qui complète votre site. Nous allons donc créer un nouveau fichier qui contiendra ce fameux CSS. Ce fichier, nous allons l'appeler style. Pour signifier au navigateur que style existe et qu'il faut l'utiliser, il faut, dans l'entête du HTML, effectuer un lien. J'ouvre la balise link, qui a deux attributs. Le premier étant href, href contenant le nom du fichier CSS à employer, et rel indiquant la relation qu'a le fichier HTML avec le fichier passé en paramètre. Donc en l'occurrence, on signale que style.css est une feuille de style. Ah, il shoot. Comme c'est une balise qui ne contient rien, on termine avec slash chevron. Dans style.css, nous allons donc écrire un code différent, qui n'est pas du HTML, c'est du CSS, et qui a toujours une syntaxe proche de celle-ci. Nous avons toujours un nom qui correspond à une chose présente dans le HTML. Une chose, ça peut être une balise par son type ou par son nom ou par sa classe, ce que nous verrons plus tard. Pour l'instant, on va partir que du type des balises. Par exemple, la balise P. On va donner des propriétés CSS à la balise P. Après avoir dit quelle balise on voulait modifier, on ouvre des accolades. Et l'accolade, c'est Alt-GR4 pour ouvrir et Alt-GR plus pour fermer. Et dedans, on met les propriétés qu'on veut. Tout à l'heure, on avait mis color. Là, depuis, je l'ai retiré. Il n'y a plus color, parce qu'il n'y a plus style dans P. Mais c'était une propriété CSS. Eh bien, je vais m'en servir, mais ici, à la place. Ça ne changera pas grand chose. J'écris color red. Et en appuyant sur F5 dans le navigateur, on voit que le texte est devenu rouge. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mis une balise style pour mettre tout ce qu'il y avait là-dedans. Sauf que, à la place d'alourdir mon document qui contient mon HTML, qui est déjà difficile à lire en général, j'ai défini son style à côté. Alors, on peut faire ce genre de choses, écrire P et rouge, ça veut dire que tous les P seront rouges. Il n'y a pas de distinction possible actuellement, c'est toutes les balises P. Si je veux dire toutes les balises P et toutes les balises TD, je peux mettre une virgule et écrire TD. Ici, on voit que les cellules sont devenues rouges également. Si je veux dire toutes les balises TD sont rouges, mais toutes les balises... Pardon. Voilà. Ici, je crée un texte qui contient un triple X et un autre texte qui contient un triple X mais qui est dans la balise P. On voit que P rend le texte, le deuxième triple X, rouge. Maintenant, si je veux dire tous les B sont verts, voilà, j'ai dit tous les B sont verts. En CSS, je peux aussi dire tous les B qui sont dans P, par exemple. Il suffit d'écrire P espace B. C'est-à-dire tous les B qui sont dans P. Eux seront violets. Voilà. Il est donc possible de faire des constructions souples qui exploitent la façon dont les balises se contiennent les unes les autres à l'aide du CSS. Là, en l'occurrence, j'ai P qui est rouge, j'ai B qui est vert, mais j'ai les B qui sont dans P qui sont violets.
De même, il est possible d'économiser du travail grâce au fait que le propriété CSS s'applique partout. Tout à l'heure, si j'avais voulu par exemple mettre des bordures à toutes les cases, j'aurais dû écrire style et la propriété de la bordure. Par exemple, là, si je fais border 1px pour dire une bordure d'une ligne, solide pour dire c'est une ligne normale, et black pour dire elle est noire, voilà, je vais avoir la cellule 2 avec une bordure. Si je veux mettre des bordures partout, je vais devoir écrire ça partout. Voilà, vous voyez, c'est très fastidieux. Alors que simplement, si dans ma feuille de style, j'écris par exemple TR border 1px solid black, comme tout à l'heure dans l'attribut style, pardon, TD, eh bien, toutes mes cellules deviennent encadrées. Je peux donc faire des règles générales qui s'appliquent à tout. Alors maintenant, imaginons quelque chose, cela dit. J'ai deux tables. J'en veux une en noir et une en rouge. Eh bien, il me manque quelque chose. Il me manque la capacité de dire cette table-là, mais pas l'autre. Eh bien, ça, je peux la régler à l'aide d'un attribut qui s'appelle classe, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais dire que la table qui est en dessous est de la classe bottom table. Et je vais dire que les classes bottom class, bottom table, pardon, les cellules TD qu'il y a dans les objets qui sont de la classe bottom table, le fait que ce soit dans une classe, c'est parce que j'ai mis un point, n'auront pas des bordures noires, mais des bordures bleues. Ce qui est intéressant avec les classes, c'est qu'on peut en mettre un peu partout en fait. On peut organiser la façon dont le style s'applique au site à l'aide des classes. Exemple là-haut, j'ai défini que mon paragraphe était aussi de la classe bottom table. Et si je tape la commande qui me sert à avoir une couleur particulière, comme étant une propriété de bottom table, eh bien je vais avoir mon tableau qui est un bottom table en vert, mais je vais aussi avoir mon paragraphe avec un fond vert. Paragraphe contenant le texte qui est en rouge ainsi que le logo. Il est possible d'avoir plusieurs classes également. Il suffit de séparer par un espace les classes dans l'attribut classe. Avec la propriété CSS font size, je vais changer la taille de ce que contient les objets qui sont de la classe OtherClass. On voit ici que le texte a grossi. Et je veux qu'il grossisse beaucoup, qu'il lise la valeur qui correspond à une grande taille. Là, il a encore grossi. Je peux aussi directement donner une taille en pixels, par exemple. Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionnent les feuilles de style CSS. Les feuilles de style en cascade. Il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup d'attributs. Nous verrons les subtilités plus tard. Et les attributs, vous pouvez les rechercher sur Internet. Sachez qu'il y en a énormément. Et que dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous inspirer d'autres sites.